Bonjour les amis, nous allons vous présenter une procédure simplifiée des maintenances préventives pour l'oxymètre de pouls, aussi appelé saturomètre. Cette procédure ne nécessite pas l'utilisation du testeur spécifique et s'adapte à tout type d'oxymètre de pouls. Vous pouvez télécharger cette procédure via le lien sous la vidéo. L'oxymètre de pouls est un appareil qui permet de mesurer la saturation en oxygène et qui donne un renseignement sur la valeur de la fréquence cardiaque. Cela renseigne le médecin sur le bon fonctionnement des fonctions respiratoires et cardiovasculaires. La mesure de la SpO2 s'est faite à l'aide d'un capteur composé d'un émetteur des lumières rouges et infrarouges et d'un récepteur pour ces deux signaux. L'absorbance de ces signaux est ensuite traduite en pourcentage d'oxygène. Il existe plusieurs types et tailles de capteurs qui sont à choisir en fonction du patient. Pour réaliser la maintenance préventive de cet appareil médical, il faut consulter en priorité la documentation technique de la marque et du modèle de l'appareil. L'appareil que nous avons ici est un oxymètre de pouls portable. Dans la procédure que nous vous proposons, il y a 5 étapes à suivre. Première étape, contrôle visuel. Nous allons vérifier la propreté de l'équipement et la présence de tous les câbles et accessoires. On commence par nettoyer l'appareil avec un produit détergent désinfectant approprié aux dispositifs médicaux ou avec de l'eau chlorée à 0,1%. On va vérifier l'état général de tous les câbles et les accessoires. On va ensuite vérifier la lisibilité de toutes les inscriptions. On vérifie l'existence et la lisibilité des étiquettes d'avertissement, des consignes d'utilisation et des inscriptions externes telles que la marque, le modèle, le numéro d'inventaire, etc. Deuxième étape, contrôle mécanique. On va vérifier ici l'état du support et l'intégrité du châssis. Troisième étape, le contrôle à l'allumage, autotest. On va allumer l'appareil et vérifier que tous les voyants et les bips sonores se déclenchent. On vérifie l'état de l'écran, c'est-à-dire s'il est en bon état, s'il n'est pas cassé et si les inscriptions qui s'affichent sont visibles. Ensuite, on vérifie le fonctionnement de tous les boutons de réglage. Pour la batterie, ici on a un appareil portable. On va vérifier que la batterie est en bon état. Si l'appareil a du mal à s'allumer, on va changer les piles. Si notre appareil est muni d'une imprimante, on va faire un test d'impression. Quatrième étape, test du module SpO2. On va commencer par brancher notre capteur et vérifier qu'on a bien une lumière rouge qui apparaît dans notre capteur. Ensuite, on va placer tout d'abord la sonde sur notre doigt et vérifier que les valeurs des SpO2 et des fréquences cardiaques s'affichent sur l'écran et se stabilisent. Ensuite, on va vérifier la crédibilité de ces mesures par comparaison aux mesures habituelles ou à l'aide d'un autre oxymètre de pouls. Là, par exemple, on vous montre que quand on se connecte sur un autre oxymètre de pouls, on a bien les mêmes valeurs qui s'affichent à plus ou moins 3%. Pour vérifier la fiabilité du capteur, on va reconnecter le capteur sur notre doigt et faire bouger le câble afin de détecter d'éventuelles coupures. Ensuite, on va vérifier le fonctionnement de l'alarme de désaturation. Pour cela, on va aller dans les réglages d'alarme et on va régler le seuil bas de l'alarme de SpO2 à une valeur supérieure à notre propre valeur de SpO2 et on vérifie le déclenchement de l'alarme de désaturation. Attention, on n'oublie pas de remettre le seuil d'alarme tel qu'il était à l'origine. L'autre alarme qu'on vérifie, c'est lorsqu'on débranche le capteur. Notre appareil déclenche une alarme pour nous indiquer que le capteur est déconnecté. Cinquième étape, test de sécurité électrique. Pour cela, nous vous renvoyons vers la procédure de sécurité électrique que vous trouverez en lien sous la vidéo. Une fois que nous avons vérifié notre appareil en suivant toutes ces étapes,
N'oublions pas de compléter et d'archiver ce compte rendu et d'enregistrer les résultats de cette maintenance dans nos outils de suivi. L'appareil ne peut être rendu au service utilisateur que si et seulement si toutes les étapes sont validées. Sinon, il y aura des petites réparations ou des achats d'accessoires à prévoir en remplacement. À vous de jouer !